Une fin de semaine compliquée. Alors qu'elle animait un nouveau numéro de C'est à vous, diffusé sur France 5 ce vendredi 7 avril, Anne-Elisabeth Lemoine a été quelque peu ennuyée. La raison ? L'animatrice de télévision a été coupée à cause de problèmes de son alors qu'elle échangeait avec ses invités du jour, Audrey Dana et Noémie Merlant, qui étaient venus faire la promotion du nouveau film d'André Téchiné, Les âmes sœurs. Alors là, on me hurle un truc à l'oreille. Pardon, on me disait que votre micro ne fonctionnait pas. Quand j'ai deux informations dans la tête, j'ai du mal à suivre, a ainsi indiqué Anne-Elisabeth Lemoine, confuse. Quelques secondes plus tard, la journaliste de 58 ans, qui avait perdu le fil de la discussion, a de nouveau été perturbée. On vous a adoré dans ce film, Noémie Merlant, on était tous ravis de vous voir recevoir ce César et ravis de vous accueillir ce soir avec Audrey Dana pour le film, a-t-elle assuré, en bafouillant à plusieurs reprises. Ni une ni deux, la comédienne de 45 ans n'a pas hésité une seule seconde pour charrier Anne-Elisabeth Lemoine. Eh bah ben, on a du mal, ce soir. A-t-elle lâché, provoquant un fou rire sur le plateau. Pas rancunière, l'animatrice a enchaîné en lançant la prochaine séquence dans la bonne humeur. Supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Keim, à Anne-Elisabeth Lemoine. Leurs histoires d'amour oubliées Anne-Elisabeth Lemoine cache, elle se moque de la moustache de Franck Dubosc si Anne-Elisabeth Lemoine a l'habitude d'être la cible des boutades de la part de ses invités ou de ses collègues, elle n'hésite pas non plus à les charrier. La preuve ? Elle s'était en effet moquée de la moustache de Franck Dubosc lors de l'émission de C'est à vous, diffusée ce jeudi 6 avril. Vous avez toujours cette moustache? Mais quelle horreur! Avait-elle lâché? Surpris, le comédien s'était tourné vers le reste de l'équipe de chroniqueurs. Elle a dit quelle horreur? Ce à quoi la chef d'orchestre du programme avait répondu avec malice, non, vous entendez des voix. Alors, oui, en venant sur le plateau de l'émission de France 5, il faut être prêt à en prendre pour son grade. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 5.